Très bien, et bonsoir à tous. Nous voilà pour la troisième soirée consécutive pour la présentation cette fois-ci du BTS Bioanalyse et Contrôle. Et je m'aperçois que ça fait 3 soirs que je ne me présente pas. Donc moi je suis Monsieur Vezin, je suis le directeur des formations au lycée Saint-Louis. Voilà. Donc je vais avoir un petit souci de. Toc. Commencer par vous présenter, comme tous les soirs, le déroulement du live. Donc, toujours une présentation du lycée Saint-Louis. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Présentation du lycée Saint-Louis. Ensuite, on passera au contenu de la formation cadre de travail, donc le contenu disciplinaire. On parlera ensuite des stages, les examens, comment ils se déroulent, le taux de réussite à ces examens. Et puis ce qu'on peut faire après ce BTS bioanalyse et contrôle, donc la poursuite d'études et de devenir les métiers que l'on peut exercer une fois le BTS obtenu. Notre mode de recrutement, donc par Parcoursup, on vous détaillera nos exigences. Et puis on parlera un petit peu des hébergements et du transport. Tout au long du live, vous avez donc un chat si vous voulez poser des questions. Vous avez Madame Béziat qui est devant l'ordinateur que vous verrez tout à l'heure qui soit vous répondra directement sur le chat, soit nous transmettra la question. Voilà. Donc n'hésitez pas à communiquer avec nous, ça rend les choses un petit peu plus interactives. On a l'impression de ne pas être tout seul devant la caméra. Donc je vous parle un petit peu du lycée Saint-Louis. Le lycée Saint-Louis, c'est un lycée public. Je ne sais pas ce que, pourquoi ça passe tout seul ce soir. C'est un lycée public, un lycée des métiers de la biologie et de la chimie. Donc au lycée Saint-Louis, on ne fait que de la biologie et de la chimie. On a donc des formations de bac -3 à partir de la seconde jusqu'au bac STL, biotechnologie et sciences physiques chimie de laboratoire. Et surtout, après, nous avons donc 5 BTS. On vous en a déjà présenté 2, ce soir le troisième. Et de fait, ce lycée est un très grand lycée en termes de biologie et de chimie. On a 18 laboratoires dédiés à ces formations. Hop, je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe avec mon clavier. Hop, ça passe tout seul. Bon. Donc je disais oui, un grand lycée en termes de laboratoires, d'installations, d'infrastructures en biologie et en chimie, mais un tout petit lycée puisqu'on n'a que 240 élèves et 270 étudiants, donc plus d'élèves que d'étudiants, ce qui fait un lycée qui est quasiment familial, hein, tout petit, et qui rend les choses assez agréables ici dans l'établissement. Autre avantage, c'est que c'est un établissement qui a été entièrement restructuré et modernisé. Vous voyez derrière nous un laboratoire tout neuf, hein, donc un laboratoire de biologie cellulaire, avec de l'équipement moderne que nous envient certaines. Certaines personnes dans les universités ou dans certains laboratoires. Voilà, donc les étudiants ont la chance d'avoir du matériel vraiment très récent et de pointe. Donc le lycée, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui seraient un petit peu loin, il est situé au nord de Bordeaux, mais en ville quand même, et donc il est facile d'accès par le tram. On a une ligne de tram qui arrive à peine 10 minutes à pied et qui permet de rejoindre le centre-ville assez aisément, et puis également des lignes de bus. Et on est très près des quais pour pouvoir aller se balader et profiter du soleil qui est enfin revenu. Voilà, donc je vais laisser la parole à l'équipe. Monsieur Doucet à côté de moi, Madame Chavanel, et puis on verra Madame Lalique après, et Madame Béziat, qui vont vous présenter l'ensemble de ce BTS. Bien, donc bien bonjour. Donc le BTS est une formation en 2 ans. C'est une formation qui est professionnalisante, puisque à l'issue du BTS, on a un brevet de technicien supérieur avec lequel on va pouvoir rentrer sur le marché du travail. Mais c'est également une formation qui va permettre de continuer ses études, puisqu'elle permet d'acquérir des crédits européens, donc 120 crédits européens. Pour ce qui est de la formation, notre BTS, Bioanalyse et Contrôle, va former donc des techniciens qui pourront intervenir donc dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique ou agroalimentaire pour tout ce qui concerne les contrôles. Alors, contrôle des matières premières, des produits finis ou des produits en cours de fabrication. Ensuite, on va former des techniciens qui pourront travailler dans les laboratoires plutôt d'analyse de l'environnement, de l'eau, du sol par exemple. Ils pourront également travailler dans des laboratoires d'expertise,
Alors, la fameuse police scientifique, ou les douanes, ou les fraudes, donc toujours d'analyser donc des produits, ici. Et enfin, on peut également former des techniciens qui auront leur place dans des laboratoires de recherche. Je vais vous présenter donc l'emploi du temps. Donc, les étudiants qu'on a au lycée ont un statut d'étudiant avec une carte d'étudiant, mais ils ont un régime de lycéen. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un emploi du temps qui sera stable à peu près durant toute l'année. Ils auront les vacances scolaires également. Alors, sur cet emploi du temps, on peut voir différentes couleurs. En vert, nous avons tout ce qui concerne les travaux pratiques, les activités technologiques. Donc, une grande part de l'emploi du temps y est consacrée. Puisqu'on forme des techniciens qui doivent être vraiment autonomes à la paillasse. Pour ces travaux pratiques, on va retrouver les quatre disciplines technologiques, donc biochimie, microbiologie, trois disciplines, excusez-moi, BCM, donc microbio et biochimie. Comme l'a dit M. Bezin, on travaille dans des laboratoires qui sont récemment rénovés, avec du matériel qui est performant, et les étudiants manipulent en général seuls pour acquérir une autonomie indispensable. Alors, les travaux pratiques, les connaissances vont être étayées maintenant par du cours. Ce cours, vous retrouvez son importance en violet, avec donc les disciplines que j'ai déjà citées, plus une à la STBI, dont ma collègue parlera tout à l'heure. Enfin, en orange, vous voyez que nos étudiants seront formés également avec des disciplines scientifiques. On garde en fait une formation scientifique en physique, en mathématiques, qui permettra plus tard de continuer ses études, par exemple. Une formation en anglais, l'anglais étant la langue internationale de la science. Et puis également des choses... qui vont permettre aussi de travailler dans l'industrie, comme de la gestion du droit du travail. On va maintenant présenter les quatre disciplines technologiques, et je vais commencer par la biochimie. Alors, cette biochimie, on va avoir d'une part donc, des TP, mais aussi donc, des cours et des TD pour illustrer donc, le cours. Parmi les notions que l'on va aborder pendant ces deux années, on va retrouver donc la biochimie structurale, c'est-à-dire la structure des biomolécules, l'enzymologie et le métabolisme, c'est-à-dire l'ensemble des réactions chimiques qui vont se produire au niveau cellulaire. Au niveau des TP, on a 5 heures de TP en première année et puis 6 heures en deuxième. On va travailler sur des vrais produits, toujours, c'est-à-dire des médicaments ou des produits cosmétiques ou des aliments. Et pour ce qui concerne ces produits, on va apprendre les techniques de base de biochimie comme l'extraction, la purification, la caractérisation et enfin le dosage. Donc voilà pour la biochimie. On va trouver maintenant, je vais passer la parole à M. Doucet qui va vous parler de la microbiologie. Tu veux prendre ma place ? Oui, merci. Bonjour à tous. Donc en microbiologie, on a une partie théorique en première et deuxième année, dans laquelle on va aborder l'étude des micro-organismes, principalement bactéries et champignons, levures et moisissures. On va présenter les modes de croissance, on va présenter comment on étudie ces micro-organismes, et ensuite on va poser les points théoriques nécessaires à la compréhension du fonctionnement de leur croissance, et on va pouvoir par là même étudier ces micro-organismes dans un contexte professionnel de contrôle de qualité. Ces cours théoriques vont être appuyés par des travaux pratiques durant lesquels en première année on va surtout se focaliser sur les techniques de base, de manière à permettre à tous les étudiants qui arrivent dans nos sections de se mettre à niveau sur les gestes de base de culture, de dénombrement. Et rapidement, avec l'acquisition d'une autonomie, ces étudiants vont passer sur des études plus concrètes de contrôle de produits, comme en biochimie, dans les
trois grands secteurs de formation du BTS, de manière à pouvoir être capable de mettre en œuvre des normes ISO, AFNOR, de contrôle de qualité. Et très rapidement, les étudiants deviennent autonomes par rapport à la lecture de ces contenus, de ces références. Troisième discipline technologique, la biologie cellulaire et moléculaire, qui va permettre aux étudiants d'aborder les nouvelles technologies utilisées dans les laboratoires de diagnostic. On a du cours théorique pour reprendre un peu toutes les notions de base sur la biologie de la cellule eucaryote, les cellules végétales. On va étudier dans ce cours théorique la biologie moléculaire, de manière à avoir les fondamentaux pour les diagnostics. Mais aussi, on va présenter la pharmacologie, la toxicologie, qui sont des méthodes de contrôle que l'on peut utiliser dans l'environnement ou au niveau médicamenteux. De ce cours de biologie cellulaire et moléculaire est assez vaste et on abordera même la virologie. Cette année, je pense qu'on aura l'occasion de développer le cycle de multiplication du SARS-CoV-2 en illustration avec nos étudiants. Comme pour les autres disciplines, on s'appuie sur des travaux pratiques. Alors, 4 heures par quinzaine, dans lesquelles les étudiants vont acquérir, pareil, les grands domaines de compétences technologiques de manière à pouvoir être polyvalents sur les labos de diagnostic en mettant en œuvre des techniques de culture cellulaire, de cytotoxicité, en mettant en œuvre des techniques de biologie moléculaire comme l'extraction d'ADN. Vous avez une photo de présentation d'un gel d'ADN, les méthodes de PCR qui vont permettre de diagnostiquer des agents pathogènes ou des contaminants dans les matières premières, qui sont des méthodes utilisées en routine actuellement. Et dernière grande technologie qu'on va mettre en œuvre, c'est tout ce qui est immunodiagnostic, c'est comment l'anticorps est utilisé au niveau d'un laboratoire pour contrôler des produits de manière à accélérer les procédures de diagnostic. Je vais laisser la parole à Madame Lalique. Bonjour, donc je suis Madame Lalique et j'interviens dans deux disciplines, la microbiologie avec Monsieur Doucet et la STBI pour sciences et technologies bio-industrielles. Donc cette discipline est vraiment une matière spécifique au BTS bioanalyse et contrôle. Elle se fait sous forme de cours, 2 heures en première année et 3 heures en deuxième année. Et quand on regarde l'emploi du temps, il n'y a pas de TP programmé en STBI. Parce qu'en fait, ces TP se regroupent sous la forme de 3 jours sur une plateforme technologique particulière dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne le cours, on commence par aborder les 3 grands types de filières industrielles qui sont la filière cosmétique, pharmaceutique et agroalimentaire. Pour ces 3 filières, on retrouve des sous-filières, notamment en agroalimentaire, où on étudie en détail, par exemple, le lait, les produits laitiers, la fabrication de la bière, le blé, la farine. Et on étudie à chaque fois donc, les matières premières et les procédés de transformation. Donc ces procédés de transformation ou process donnent lieu à des contrôles spécifiques qui sont revus. On étudie également tout ce qui est qualité, les normes en vigueur d'analyse, ainsi que les labels de la qualité. Vous avez ici par exemple le label AFAC, qui est l'association française pour l'assurance qualité. Cet aspect d'étude de la qualité dans les industries est particulièrement apprécié des industriels, parce que c'est également quelque chose qui est typique de notre BTS et qu'on ne retrouve pas forcément. Vous pouvez voir sur les images, une tour d'atomisation qui permet de faire du lait en poudre. Et en haut, vous avez un conditionnement de médicaments dans une salle qu'on appelle blanche, c'est-à-dire une salle quasiment stérile. Donc au niveau des TP que j'évoquais tout à l'heure, ces TP qui se déroulent sous la forme d'activités technologiques qu'on appelle en demi-grand. Pourquoi en demi-grand ? Parce que les étudiants vont travailler sur des volumes beaucoup plus grands qu'au laboratoire, qui sont de l'ordre de 20, 30, 50 litres, mais qui sont évidemment beaucoup plus petits que ceux qui sont utilisés dans l'industrie. Pour cela, on se sert d'appareils que nous n'avons pas au lycée, qui sont extrêmement chers et extrêmement performants, et qui sont regroupés sur une plateforme qui se trouve à Talence et qui s'appelle l'AGIR, pour agroalimentaire
innovation, recherche. Sur cette plateforme, les étudiants s'organisent en groupe de 4 étudiants pour un enseignant. Donc c'est extrêmement exigeant. Et ils passent 3 jours et ils passent en revue 4 appareils, 4 pilotes. Le premier pilote dont vous avez la photo là s'appelle un fermenteur. Il permet de cultiver en grande quantité des micro-organismes comme par exemple des levures. La deuxième opération unitaire qui est au programme, c'est la microfiltration et on l'applique en faisant une séparation des protéines du lactosérum, donc dans du lait cru. Donc vous voyez la taille des pilotes, hein, qui est quand même une taille beaucoup plus grande que celle du laboratoire. Le troisième pilote est un pasteurisateur qui permet de chauffer donc, du lait cru pour détruire les germes pathogènes, on appelle ça la pasteurisation. Et le quatrième pilote est un malaxeur. C'est une espèce de mixeur en beaucoup plus grand et en beaucoup plus élaboré qui permet soit de faire par exemple des mayonnaises, soit de préparer une crème cosmétique, c'est ce que font les étudiants. Je laisse la parole à ma collègue, Madame Bézia. Bonjour, donc moi je vais vous parler des disciplines transversales puisqu'on vous a dit qu'en parallèle des formations technologiques, des formations professionnelles, les étudiants vont compléter leur formation par des disciplines plus générales, des disciplines transversales. Donc vous voyez, il y a 2 heures de mathématiques, 2 ou 3 heures de physique-chimie selon l'année, une formation en anglais d'une heure, formation en anglais qui est complétée par un TP qui se déroule complètement en anglais. Alors on y tient beaucoup parce que c'est important que nos étudiants soient bien conscients de l'importance de l'anglais dans les laboratoires. Vous avez aussi une heure de communication. Alors sous ce terme communication, c'est en fait une heure de français. C'est une heure qui est réalisée par les collègues de français. La première activité, c'est de travailler sur les CV et les lettres de motivation, ce qui est particulièrement important pour les recherches de stage. Je vous en parle juste après. Vous avez en deuxième année une heure de... Alors ça s'appelle économie. Vous faites de la législation, du droit du travail, de la sécurité. Et enfin, vous avez une heure d'informatique appliquée à la biologie. Une heure en première année, une heure en deuxième année. Donc vous allez à la fois savoir vous servir du pack bureautique et puis après vous avez des formations plus appliquées à la biologie. Voilà. Alors le stage, très important ce stage. Vous avez 14 semaines de stage qui complètent la formation au lycée. Ces 14 semaines se font dans le laboratoire du choix de l'étudiant. C'est l'étudiant qui choisit son lieu de stage. C'est important parce que ça va donner une première couleur à votre CV. Si vous voulez aller ensuite travailler dans l'industrie agroalimentaire, il faut de préférence faire un stage dans l'industrie agroalimentaire et pas aller dans un laboratoire qui ferait autre chose. Ces 14 semaines de stage sont découpées en 2 périodes. Vous avez 6 semaines en fin de première année et 8 semaines au cours de la deuxième année, à l'automne. Et à l'issue de cette deuxième période de stage, vous devez rédiger un rapport de stage qui sert pour l'épreuve au BTS. On vous a présenté ensuite quelques logos pour vous montrer un petit peu l'étendue des lieux de stage de nos étudiants. Donc vous avez des laboratoires de pharmaceutique, aussi bien animal qu'humaine, puisque CEVA c'est de la santé animale, alors que Sanofi on ne le présente plus. Vous avez évidemment des laboratoires d'agroalimentaire nombreux, des laboratoires de contrôle, des laboratoires plus académiques pour les étudiants qui seraient tentés par de la recherche, donc aussi bien à l'université que des laboratoires associés à l'INSERM. Et enfin, on a aussi parfois des étudiants qui vont soit dans des laboratoires de biotechnologie, soit dans des start-up. Donc vraiment, des laboratoires divers et variés. Bien sûr, je vous ai dit que c'est vous qui choisissiez, enfin ce sont les étudiants qui choisissent leur lieu de stage. Et évidemment, on fournit notre carnet d'adresses, donc vous ne partez pas à l'aventure. Hein.
on vous guide, mais ce sont les étudiants qui décident du lieu de stage et qui font les recherches. C'est à vous de chercher votre lieu de stage. L'établissement est conventionné avec Erasmus et donc nos étudiants ont la possibilité d'effectuer leur stage en Europe. Donc régulièrement, nous avons des étudiants qui peuvent partir en Europe. On est conventionné et on a des contacts dans différents laboratoires. Donc quand vous êtes intéressé, il y a un dossier qui est un peu complet à faire et on vous aide, tant le collègue d'anglais que les collègues qui sont plus associés à cette convention avec Erasmus vous aident à constituer le dossier. Et c'est vraiment une expérience très riche pour les étudiants. Il est possible aussi, à l'issue du BTS, de partir à l'étranger pour 6 mois. À ce moment-là, vous êtes employé, vous êtes technicien de laboratoire. Et en 2015, l'une de nos étudiantes est partie 6 mois dans un centre anticancéreux de Reykjavik. Voilà, donc c'est vraiment une possibilité qui existe. Avant cela, vous devez évidemment passer l'examen de BTS. Là, c'est moins drôle. Alors, c'est un examen à caractère national. Ça veut dire que votre BTS, il est reconnu partout en France. Vous avez des épreuves écrites, maths, physique, toutes les disciplines technologiques. Vous avez des épreuves orales. C'est principalement l'épreuve de soutenance du rapport de stage. Et puis, vous avez des épreuves en CCF. CCF, ça veut dire contrôle en cours de formation. Ces épreuves de CCF vont concerner tous les travaux pratiques. Et puis, l'épreuve d'anglais se passe aussi en CCF. Alors, les épreuves de CCF sont organisées dans l'établissement par les collègues qui assurent l'enseignement. Et ils ont lieu au cours des 2 années de formation. Ça fait peur, mais ça se passe bien en général. Et vous voyez que, donc on vous récapitule les résultats du BTS dans l'établissement et vous voyez que globalement, on est assez content parce que le taux de réussite est entre très bon et excellent, ça dépend des années. Voilà, et je vais repasser la parole à Monsieur Doucet qui va vous présenter les possibilités de poursuivre vos études après le BTS. Oui, voilà, alors il faut bien se rappeler quand même que vous êtes sur une formation diplômante professionnelle et que l'objectif premier de la formation est quand même d'aller travailler à la suite du BTS. Et de notre expérience depuis de nombreuses années, les étudiants qui souhaitent travailler à la suite de leur BTS ont rapidement un emploi. Donc ça, c'est un gage de qualité. Une cellule de travail et récupère des offres d'emploi au niveau de l'établissement. Néanmoins, les étudiants ont la possibilité de poursuivre des études. On leur conseille généralement, suite au contact qu'on a avec les industriels et les responsables de laboratoire, de faire au moins une année supplémentaire de formation après leur BTS, qu'on appelle une licence pro, qui leur permet d'avoir une qualification complémentaire, un stage de 6 mois, et une expertise dans un autre domaine de manière à avoir des bi ou tri compétences. En plus, le fait d'avoir un bac plus 3 leur permettra au niveau européen de pouvoir travailler ailleurs qu'en France. Donc ça, c'est une possibilité. Autre possibilité que l'on a, des parcours universitaires classiques avec des licences de biologie qui vont conduire soit des masters généraux et puis un doctorat, soit avec des masters pro qui permettent aux étudiants d'avoir des études universitaires plus ou moins longues. Et sur Bordeaux, notre lycée a des protocoles privilégiés avec l'université de Bordeaux qui permet au bon dossier de BTS, moyennant une recommandation de notre part, de passer directement à L3 et donc d'éviter les 2 premières années universitaires et valider leur 120 crédits ECTS directement. Voilà pour ce qui est parcours universitaire. Au niveau des étudiants de très bon niveau, ils ont la possibilité de postuler à des classes prépa adaptées aux techniciens supérieurs qu'on appelle ATS. Et généralement, les étudiants qui partent dans ces filières sont intéressés par les écoles agronomiques ou VETO que l'on peut intégrer par les prépas classiques BCPST. Donc c'est une filière qui permet, pour les meilleurs quand même, d'acquérir
des compétences d'un haut niveau et de devenir éventuellement vétérinaire. Et très régulièrement, dans notre BTS, on a des étudiants qui choisissent cette filière pour arriver à leur à être vétérinaire, docteur vétérinaire. Bon, autre possibilité aussi pour des études longues, des écoles d'ingénieurs pour les bons dossiers aussi, post-BTS, avec des admissions directement sur titre, avec dossier motivé et puis entretien généralement, ou depuis quelques années, la possibilité de passer un concours par apprentissage pour les écoles d'agronomie, avec un concours qui se déroule au courant de la deuxième année, un entretien qui leur permet de réintégrer directement les grandes écoles d'agronomie qui sont en France. Alors, quelques exemples de venir des élèves. On vous présente sur cette diapositive les poursuites d'études qui ont été faites par notre dernière promotion. Et globalement, tous les ans, sur notre effectif de 15 ou 16 étudiants, on a à peu près cette proportion, c'est-à-dire un petit nombre de gens qui souhaitent travailler. Mais ces gens-là, généralement, travaillent très rapidement après leur BTS. Hein. Ils sont généralement diplômés fin juin, début juillet. Et régulièrement, dans les quelques semaines qui suivent l'acquisition du BTS, ils trouvent un poste en CDI, souvent concrétisé par un engagement à long terme. Pour les autres, poursuites d'études plus ou moins longues, licence professionnelle. On a une filière qui attire beaucoup d'étudiants, c'est la filière GEFI sur Poitiers, qui permet aux étudiants de rentrer dans une formation type ingénieur et leur permet de se former au niveau de la bioinformatique. Et donc, ils sortent avec des postes de responsables de haut niveau en biologie et en informatique. Au niveau des licences pro, donc c'est très diversifié là. Là, vous voyez qu'en 2020, on a une étudiante qui est partie en licence pro de commercialisation des biens industriels. Donc certains étudiants sont motivés par le travail de technico-commercial et généralement trouvent aussi très rapidement du travail. Et 2020, trois étudiantes sont allées en école d'ingénieur. Alors deux sur les concours par apprentissage. Et une a intégré sur titre l'ENSCBP, qui est une école de chimie et de biologie qui est sur Bordeaux, qui forme des ingénieurs dans les secteurs agroalimentaires. On a essayé de voir, là, par rapport à cette présentation en live, quels étaient le devenir de nos étudiants et vous montrer que finalement, le travail est très rapidement, ça c'est nous qui vous le disons, trouvé pour les étudiants qui veulent travailler ou après quelques années d'études supplémentaires. Je vous le disais tout à l'heure, au niveau du lycée, une cellule recueille les offres d'emploi que nous proposent les entreprises, les laboratoires et les étudiants qui passent dans notre établissement, la possibilité, même en ayant quitté le lycée, de consulter ces offres et de pouvoir avoir un pool d'offres d'emploi rapidement accessible. On va retrouver au niveau des étudiants donc nos grands secteurs d'activité. Au niveau de l'industrie pharmaceutique, vous voyez que sur les quelques exemples que l'on vous donne, on va trouver des gens qui sont aussi bien techniciens de contrôle en microbiologie dans des industries comme Ceva Santé Animale sur Libourne ou sur des industries pharmaceutiques plus biotechnologiques comme Merck. On a deux techniciennes qui sont passées par chez nous et qui ont réussi à décrocher un poste à chez Merck. Et on peut avoir aussi des gens qui ont monté par leurs études complémentaires en BTS en étant une responsable d'un labo de qualité sur Sanofi et l'autre responsable du réseau informatique Sanofi sur Montpellier en ayant fait le GEFI. Donc on a toutes les strates de professionnels que l'on peut atteindre. Autre domaine agroalimentaire, donc même chose. Régulièrement, des gens sont embauchés dans les domaines agroalimentaires, soit en tant que technicien de contrôle qualité ou production, soit au niveau de fonctions un peu plus hiérarchisées, telles que des ingénieurs ou des responsables œnologiques. L'exemple qu'on vous donne là, d'Alexandre, là, le premier chez Enolis, il avait trouvé son poste
15 jours après avoir obtenu son diplôme. Donc ça se passe bien. Autre particularité, c'est que notre diplôme, même s'il est orienté vers les industries et le contrôle qualité, est reconnu dans les professions de la santé, et donc régulièrement des étudiants qui passent par chez nous avec leur culture assez aboutie en contrôle qualité trouvent des postes dans les laboratoires de la santé, soit public soit privé. Et donc ça, c'est des possibilités à ne pas négliger aussi pour ceux qui se disent « je ne veux pas travailler dans l'industrie ». Vous avez ces possibilités-là de travailler dans les domaines de la santé ou recherche appliquée. Les laboratoires de recherche aussi, où là, on va pouvoir trouver des postes aussi, tant que technicien qu'en tant qu'ingénieur, dans différents types et structures de recherche, l'INRAE, l'ISVV sur Bordeaux, ou des labos INSERM ou Bergonié là sur Bordeaux, ou le centre anticancer. Dernier domaine, pour illustrer un peu le panel de possibilités, tout ça, ça va dépendre du profil de l'étudiant. Vous avez des étudiants qui ont poursuivi après une licence pro dans les domaines de la chimie, c'est le cas de la première étudiante qui est présentée. D'autres sont partis dans des boîtes start-up de digue liquide. Une avait choisi de faire infirmière. Et ce que je vous disais tout à l'heure, on a assez régulièrement des gens qui passent par notre BTS et qui intègrent des écoles d'ingénieurs. Là, je vous ai donné 3 noms sur une dizaine d'années. Alors, c'est pas très régulièrement, mais c'est une voie possible. Ils étaient tous passés par une préparation ATS suite à leur BTS. Recrutement. Bien, donc maintenant vous posez la question, comment venir chez nous pour intégrer ce BTS ? Première chose à savoir, nous sommes un BTS d'une demi-section de 15 étudiants en première année, pareil 15 étudiants en deuxième année. Donc la demande est évidemment assez conséquente. Les critères de recrutement, donc le candidat va postuler sur Parcoursup et les critères de recrutement vont être les suivants. On considère d'abord les notes de matière générale et surtout d'enseignement scientifique, donc français, anglais, mais aussi maths, physique, biologie. On considère beaucoup les appréciations des bulletins, donc c'est les appréciations des professeurs et la remarque générale, évidemment. Et on prend en compte aussi l'assiduité, c'est-à-dire le peu d'absence, sauf pour raison médicale bien sûr, pas trop de retard, pas trop d'absence, c'est important. On prend en compte la lettre de motivation et la cohérence du projet, parce qu'il est important que les candidats sachent où ils vont et ne se désistent pas au bout de 3 ou 4 semaines d'enseignement, ce serait dommage. Donc c'est important d'avoir un projet et d'essayer de le montrer, même de façon assez simple dans la lettre de motivation. Les candidats ensuite recrutés ont finalement pour origine, alors à peu près 2/3 de bac technologique, essentiellement les STL, sciences et techniques de laboratoire, mais nous recrutons tous les ans un ou deux candidats de ST2S, donc médico-social. 1/3 sont des bacs anciennement S, donc des bacs généraux, qui sont maintenant des bacs qu'on appelle à caractère scientifique. Les bacs généraux actuels, vu qu'il n'y a plus de section S, sont quand même des étudiants qui devront avoir suivi au moins une ou deux options scientifiques, donc maths, physique, biologie, de préférence 2 en terminale. On a presque chaque année 1 ou 2 étudiants, des élèves qui viennent de bacs professionnels. Et parmi tous ces étudiants, il faut savoir que plusieurs, ça dépend, 1, 2, 3, ont des formations post-bac, c'est-à-dire postulent après avoir fait 1 ou 2 ans de fac auparavant. Ils peuvent être quand même recrutés chez nous. Voilà, donc malgré le nombre de dossiers qui est quand même conséquent, il faut savoir que beaucoup de candidats demandent beaucoup de formations. Et donc, si vous avez un dossier qui se tient, qui est honnête, vous pouvez avoir des chances d'être recruté. Il est important de le prouver donc, dans votre motivation. Voilà. Je crois que la présentation est terminée. Donc, Monsieur Vezin, je donne la parole à Monsieur Vezin. Il reste une diapo quand même. Pour le reste. Voilà, je voulais juste intervenir pour parler un petit peu de l'hébergement, des transports, etc.
que vous avez peut-être entendu parler du fait qu'il y ait un internat au lycée. Donc, je voulais vous avertir à ce sujet. Donc, il y a quelques places à l'internat pour des étudiants, parce que normalement, l'internat est réservé aux élèves, mais il y a quelques places pour les étudiantes, donc uniquement des filles. Cet internat, il faut bien avoir conscience qu'il vit au rythme d'un lycée, c'est-à-dire que le matin à 7h30, vous devez être sorti de votre chambre, que le soir, vous pouvez y revenir qu'à 18h, et pour les étudiants, vous avez la possibilité de sortir, mais vous devez être revenu avant 22h. Et puis, chose importante, c'est que l'internat ferme le vendredi soir et il ne rouvre que le dimanche. Donc, vous ne pouvez pas être là à la semaine complètement. C'est un hébergement à la semaine. Donc, ça peut être une solution pour certaines personnes qui sont en difficulté. Je vous ai affiché les tarifs. Vous voyez bien qu'ils sont très attractifs, mais il faut bien avoir dans l'esprit qu'on vit au rythme d'un internat de lycée et que c'est un peu particulier et qu'il n'y a pas beaucoup de place et uniquement pour les filles. Pour ce qui est des autres hébergements sur Bordeaux, pour ceux qui sont boursiers, vous pouvez obtenir par le CROUS des logements étudiants. Sinon, vous avez beaucoup de locations. Nos étudiants sont souvent en location ou en colocation et bénéficient des APL, ce qui leur permet d'avoir des loyers relativement élevés, on va dire. On est dans une grande ville, mais qui sont quand même raisonnables, en sachant que, on l'a dit tout à l'heure, on est un lycée public. Et donc, la formation ne vous coûte que le prix de vos deux blouses, quasiment. Non, ouais. Trois blouses. Donc, vous aurez votre investissement pour 2 ans, c'est le prix de 3 blouses. Donc, c'est peu. Et donc, évidemment, si vous venez de loin, il y aura le logement. Pour ce qui est des transports, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très facile. Vous avez des bus, le tram, et donc les étudiants ne se plaignent pas, on est proche du centre-ville, donc ça se passe correctement. Voilà. Vous pouvez être demi-pensionnaire, vous pouvez également manger à l'extérieur si vous le souhaitez. On a une salle qui est réservée au BTS pour travailler dans la journée, une petite salle qui leur est réservée pour qu'ils aient un lieu un peu plus personnel et plus tranquille pour eux pouvoir travailler tout au long de l'année. Voilà, on a fait le tour. Est-ce qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions? Si, notamment voilà. Une question qui pourrait intéresser beaucoup de monde. On nous demande comment se passe cet enseignement en période Covid. Donc, on va tous se mettre là on va essayer de répondre tous ensemble. Alors, on a la chance au lycée Saint-Louis d'être un petit établissement, ce qui fait qu'on arrive à être en présentiel complètement. Donc, tous les élèves du lycée, et tous les étudiants, et tous les enseignants, on est tous présents au lycée. L'organisation est un peu particulière, les élèves se déplacent peu, puisque une salle a été attribuée à chaque classe. Au niveau de la cantine, on a pu faire des rotations pour que les élèves ne soient que 2 par table, séparés par groupe classe. On a également beaucoup, on a peut-être pas beaucoup insisté là-dessus dans la présentation, mais en bio-axe, ils sont à 15, quoi. Ils sont 15 dans une salle, donc ils sont quand même bien espacés. Vous voyez les labos derrière, il y a de la place. Donc ça n'a pas posé de problème, on arrive à gérer le Covid, on a le masque. On se lave les mains, on est habitué, nous, on est dans des laboratoires de physique chimie et de biologie, et donc on a quand même l'habitude de l'hygiène, etc. Dans nos laboratoires, on rentre, on se lave les mains, etc. On désinfecte les paillasses avant, après, et on désinfecte éventuellement en TP les poignées de porte, les poignées des frigos, les poignées des étuves que beaucoup d'étudiants touchent, on les désinfecte également. Voilà, ça fait partie de la culture biologique, donc ça ne nous a pas posé de problème. Et qu'il n'y a pas eu d'impact pour les recherches de stage non plus? Pour les stages, finalement, ils arrivent à avoir des stages. C'était un peu compliqué l'année passée parce que les lieux de stage ne voulaient pas nous les prendre forcément, mais tout le monde a réussi à faire au moins 4 semaines de stage. Mais les 8 semaines de stage en novembre-décembre ont été faites par tous les étudiants. Donc tous les étudiants ont fait les 8 semaines de stage en novembre-décembre normalement. Voilà. Et il faut savoir que l'année passée,
les laboratoires médicaux nous ont même embauché nos élèves avant qu'ils aient le BTS parce qu'ils savaient beaucoup. Pour travailler pour sur les plateformes sur les... Covid. Voilà. On nous demande s'il est possible de choisir un stage bien spécifique. Par exemple, quelqu'un voudrait travailler dans le contrôle et l'analyse de produits dans une douane. Il n'y a pas de problème. Enfin, il faut juste avoir ce stage. Nous, on est tout à fait partant, mais il faut avoir accès au laboratoire des douanes, avoir accès au stage, réussir à faire signer une convention, si possible. Oui, pour l'instant, on n'a pas réussi. Mais oui, s'il y a quelqu'un qui a des... Il y a des contacts, etc., qui lui permet de rentrer dans des lieux de stage que nous ne connaissons pas ou bon, on est ouvert, hein. Tant que ça répond au référentiel du BTS, voilà. Et donc dans les douanes, il n'y a pas de souci. On nous demande pour le recrutement, à quelle moyenne faut-il avoir pour être recruté? Alors, il n'y a pas une moyenne définie. Bon, en pratique, on peut quand même vous dire que généralement, si on parle, c'est un bac S ou STL? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Généralement, il faut quand même dire que si vous êtes à 13 de moyenne générale, il y a quand même de bonnes chances d'être sur la liste. Si vous êtes à moins de 10 de moyenne générale, ça commence à être compliqué. Alors, la barrière, je ne peux pas vous la donner, mais c'est vrai que l'habitude nous montre quand même que pour les bacs S, elles se situent, disons, autour, je dis bien autour, hein, de 10,5, 11, 11,5. Pour les bacs STL, c'est plutôt 11,5, 12, 12,5 de cet ordre-là. Ça dépend des années, ça dépend des remarques générales, ça dépend de la motivation, ça dépend d'autre chose. Et mais ça c'est dépend pour aussi vous donner de Parcoursup. Un ordre de grandeur. Il faut bien comprendre que cette moyenne dont on vous parle, c'est la moyenne chiffrée qui va être modifiée en fonction de ce qu'on lit dans votre dossier. Hein, donc quelqu'un qui a 14 et qui a un dossier où il y a absentéisme, problème de comportement, etc., on va baisser sa note, hein, donc, voire le refuser totalement. Et quelqu'un qui sera à 10, mais avec des appréciations élogieuses, disant travailleur, qui s'accroche, etc., malgré les difficultés, eh bien, peut-être qu'on donnera un coup de pouce. Donc voilà, une moyenne, il n'y a pas un chiffre. Il n'y a pas un chiffre. Il y a un dossier global. Voilà. Et puis votre projet, votre motivation, bien nous expliquer pourquoi vous voulez faire un BTS, pourquoi celui-là, pourquoi Bordeaux, qu'est-ce que vous voulez en faire derrière, même si vous êtes encore jeune et que c'est oui. pas facile. Oui, c'est pas facile. Voilà, essayez de vous projeter un petit peu et de nous expliquer voilà, ce que vous apportera ce BTS. Oui, après, c'est important pour les gens qui seraient d'en dehors de la région de Bordeaux que dans la lettre de motivation, vous nous expliquiez pourquoi vous venez à Bordeaux. Ça peut être un rapprochement familial ou d'autres motivations, mais il faut que ça soit vraiment très explicite de manière à ce qu'on puisse tenir compte de ce souhait-là par rapport à d'autres BTS bioanalyse et contrôle que vous auriez à proximité de votre domicile. Ça, c'est important de le noter. Ouais. On nous demande si on a des partenariats avec certaines entreprises pour les stages. Alors, des partenariats signés, non. Mais... On a des listings. Oui, mais on a des listings et on a des entreprises qui nous prennent chaque année des étudiants en stage depuis 7 ou 8 ans. Par exemple, l'ISVV, l'Institut du vin à Bordeaux, nous prend des étudiants stagiaires à peu près entre 1 et 3 chaque année depuis 7 ou 8 ans. Il y a d'autres endroits comme ça où régulièrement on arrive à caser des stagiaires. Donc ce n'est pas un partenariat, mais il y a quand même un accord tacite avec certains lieux de stage qui sont reconduits pratiquement d'année en année. Donc, c'est des relations de confiance avec les laboratoires. Voilà. Ils savent que nos étudiants travaillent correctement, etc. Et donc nous les prennent volontiers. D'autres choses. On nous redemandait les effectifs de la promo. Ouais. Donc 15 et 15. 16, première année, 15, 15 16. 16. Ouais. On surbook un peu à 16 pour... Voilà. Parce que parfois il y a un ou deux désistements, donc et en deuxième année, en principe, c'est plutôt 15. Ça veut dire que tous les enseignements, cours et TP, ont lieu à 15 élèves. Ça veut dire qu'il y a un enseignant pour 15 étudiants. Et donc on les connaît très bien. Et quand il y en a un qui manque, ça fait un trou dans la classe. On le voit tout de suite. On lui téléphone le soir. En gros. Voilà, c'est quelque chose dont on peut peut-être en profiter pour en parler sur la différence entre un BTS, une école d'ingé, une fac. Nous, on est dans un rythme lycée avec un encadrement élevé où voilà, on connaît nos étudiants, on les suit, on passe beaucoup de temps avec eux. Voilà, ça va être une des différences importantes avec la fac, même s'ils s'occupent aussi de leurs étudiants, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais le fait d'être à 15,
ça facilite beaucoup les choses et vous êtes très encadré dans ce type de formation. Oui, après une séance de TP de 4 ou 5 heures, on sait qui est qui, malgré les masques. Donc ça, oui, je ne me souviens pas si on l'a dit, hein, les horaires de TP, voilà, c'est entre 4 et 5 heures de TP, c'est quand même assez conséquent de suite. Et donc, on passe du temps en laboratoire. C'est tout ? Après, on avait des questions sur le concours de la police scientifique, savoir si on pouvait le faire directement après. Christophe ? Ben, certains le présentent après leur BTS. En général, c'est un peu compliqué. Il vaudrait mieux faire une année de licence académique supplémentaire pour monter un peu son niveau, au niveau des connaissances et puis maturité par rapport à son profil. Là. C'est un concours. C'est un concours, c'est assez difficile. Beaucoup de gens sont motivés pour ce type de formation et il n'y a pas beaucoup de postes en promotion tous les ans. Donc, c'est un concours difficile. Il y a beaucoup de gens de fait qui sont surdiplômés qui vont présenter ce concours. Quoi. Donc, pour un BTS, ils se retrouvent face à des gens qui ont beaucoup plus de bouteilles et d'études. Alors, une question intéressante. On nous demande, pour quelqu'un qui viendrait d'un bac général, est-ce que ce n'est pas trop difficile d'avoir autant de TP ? N'est-ce pas un handicap ? Je peux répondre. En général, donc, les gens qui viennent d'un bac général ont généralement un peu plus de facilité dans les matières générales, maths, physique, chimie. Par contre, pendant les 2-3 premiers mois en TP, ils sont un peu perdus, un peu paniqués. Mais justement, le fait qu'ils soient perdus, paniqués, fait qu'ils sont très attentifs, qu'ils écoutent bien, qu'ils essayent de faire de leur mieux. Et finalement, ils rattrapent le niveau des bacs STL à peu près en 2 mois, voire le dépassent. Parce qu'ils sont justement très attentifs et très appliqués, vu que c'est nouveau pour eux. Et nous commençons nos séances de TP en partant de zéro. C'est-à-dire qu'on destine nos TP à des gens qui ne sont censés avoir aucun bagage antérieur. Donc l'adaptation se fait. En plus, au niveau de la première année, le référentiel prévoit des heures de mise à niveau qu'on intègre dans la formation, hein, on ne les fait pas à part, en microbiologie, en biochimie, donc dans les disciplines où il y a beaucoup de travaux pratiques, et en physique-chimie aussi, qui permet justement aux étudiants de remonter leur niveau et d'acquérir très rapidement, hein. Généralement à passer tout ça, on ne voit plus de différentiel entre les S et les STL au niveau du recrutement, même bac pro, là tout le monde s'aligne sur une bonne compétence au niveau pratique, là. Ils s'entraident quand même. Dès tout ça, en fait, la différence va se faire en fonction du travail fourni en BTS, plus que au niveau pratique, hein. Plus que en fonction de l'origine. On nous demande si on peut postuler à plusieurs de nos BTS au lycée Saint-Louis, si ça pose un problème. Vous pouvez postuler à tous les BTS que vous voulez. Simplement, dans votre lettre de motivation, vous devez à chaque fois expliquer le choix de ce BTS-là. C'est-à-dire qu'il est hors de question qu'on lise « voilà, je suis passionné par la biologie médicale et je postule sur un biohack. » C'est faute de goût. Ça ne marche pas. Donc voilà, vous pouvez postuler. On peut comprendre que vous n'ayez pas encore... vous vous destiniez à différentes choses. Mais dans votre lettre de motivation, il faut absolument expliquer pourquoi vous voulez biohack et pas nous expliquer que vous aimez autre chose. Par rapport à la suite du BTS, on nous demande si on conseille de faire une année supplémentaire. Si l'on peut. Des échanges qu'on a, nous, avec les professionnels, tant responsables de laboratoire ou d'industrie, généralement, ils conseillent aux étudiants de faire au moins une année supplémentaire. On est dans un système de formation de type LMD, et donc au niveau européen, c'est intéressant d'avoir un bac plus 3 pour pouvoir postuler à des emplois un peu plus rémunéré au niveau responsabilité et puis pouvoir bouger en Europe. De notre expérience depuis le temps qu'on est à Saint-Louis, on n'a pas beaucoup de gens qui sont allés travailler en Europe, mais c'est une possibilité. On a eu pas mal de projets de gens qui souhaitaient partir poursuivre leurs études ou travailler au Québec. Et là, c'est pareil, si vous voulez aller sur le continent nord-américain, il faut au moins un bac plus 3 pour être reconnu. Nos formations de BTS
sont particulières à la France, sont extrêmement bien reconnues et valorisées au niveau des industries. Et même au niveau du Québec, ils cherchent des gens qui sortent de notre BTS pour les accueillir parce qu'ils sont formés et ils sont extrêmement performants au niveau du travail de laboratoire. Oui, c'est quelque chose de particulier, le BTS, qui n'existe pas dans les autres pays. Et c'est vrai que quand nos étudiants vont à l'étranger, qu'ils arrivent en deuxième année en Suède, etc., les maîtres de stage sont souvent surpris de leurs compétences techniques qui sont bien souvent supérieures à leurs propres stagiaires à Bac plus 3. On a une très bonne formation technique, mais c'est vrai qu'en termes de diplôme, il faut qu'elle soit reconnue à l'étranger. Après, en France, l'étudiant qui, après son BTS, veut travailler, il travaille. Oui. Donc, ça dépend vraiment des profils. C'est un des avantages du BTS, c'est que vous avez un métier, vous pouvez travailler. Puis, si vous vous sentez bien, vous avez envie de continuer un petit peu, vous faites une année supplémentaire. Si ça marche très, très bien, vous repartez sur une école d'ingénieur. C'est un vrai tremplin. Donc, en fonction des profils, tout le monde s'adapte. Oui, tout est possible. Ouais. Pourquoi pour vous un BTS et pas plutôt un BUT? Alors BUT, ben, on ne peut pas en parler, ça n'existe pas encore. Hein. Non. BTS, vous êtes en lycée, donc vous avez un encadrement, et surtout avec nous, on a une promo de 15 étudiants, un vous effectif. Êtes cocoonés. Voilà. C'est des petits effectifs. Ce n'est pas une structure universitaire. Voilà. Un BTS plus une licence pro, ça vous fera plus d'heures de formation qu'un BUT, déjà, hein, finalement. Parce qu'en troisième année de BUT, il y a un gros stage, hein, mais ce n'est pas la formation. Ce n'est pas concurrent, c'est différent. Il faut voir aussi comment vous voulez apprendre le rythme de travail. Ici, quand vous allez être en BTS, vous allez faire de la biochimie pendant 2 ans, de la microbiologie pendant 2 ans. En BUT, vous allez travailler par semestre, vous allez faire une matière, puis passer à une autre, etc. C'est un autre rythme, c'est une autre façon de travailler. Et il faut trouver celle qui vous convient le mieux. Oui, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Vous ferez la même chose avec un BTS, un BUT. Moi, j'en suis convaincu. Oui, oui. Mais il faut que vous trouviez la formation qui vous convient à vous. Après, je dirais l'avantage d'un BTS et d'une licence pro derrière, c'est que vous pouvez changer complètement de domaine après vos 2 ans de BTS et avoir des compétences diverses. Informatique, technico-commercial, contrôle qualité un peu abouti, et donc diversifier votre formation en changeant de thématique. Quelqu'un avec un BTS en biologie qui fait une troisième année de commerce fait un très très bon technico-commercial et ça marche bien, hein. C'est une bonne façon de faire et aussi un très bon bioinformaticien. Donc voilà, quand vous allez vous lancer maintenant dans un bachelor, enfin BUT, vous serez pendant 3 ans dans un domaine. C'est un choix. C'est un choix. Ouais. C'est ni mieux ni moins bien. Nous avons beaucoup, en tout cas nous avons 2 personnes qui sont en première et qui se questionnent sur l'enseignement qu'ils vont garder en terminale, la spécialité. Nous aussi, on se questionne. Alors pour nous, c'est nouveau aussi, le nouveau baccalauréat. Et donc, on me dit, est-ce que c'est mieux bio plus chimie ou chimie plus maths? Je pense que parmi les 3 options scientifiques de terminale, donc maths, physique, chimie ou bio, il est bien d'en avoir 2, mais après, nous allons être obligés d'avoir une tolérance par rapport au choix de ces 2 options. C'est-à-dire que ça pourra être maths bio, ça pourra être biophysique ou maths physique. Par contre, c'est quand même, je pense, préférable de choisir 2 options scientifiques plutôt qu'une seule option scientifique et tout à fait autre chose. Ouais. Mais nous aurons forcément une tolérance par rapport à ça. Moi, j'ai tendance à dire que, mais c'est un avis personnel, les mathématiques, c'est un peu la base de tout. Mmh. Quand même, quand vous allez faire des sciences, c'est quand même un bagage important. Pour vous, mais on ne pourra pas, évidemment, on va, je pense, accepter sur un même pied les 3 options scientifiques. Ouais. Il n'y aura pas de remise à niveau, en tout cas, dans non. Le, non, nous repartons dans les enseignements de cours et de TP, nous partons d'un niveau de base identique et accessible à tous. Oui, puis on a eu, avant cette réforme, quand même quelques fois des étudiants qui avaient fait un bac SSI et vous n'avez pas du tout touché à la bio.
Voilà, j'avais une question. Est-ce que sciences de l'ingénieur est handicapant? Non. Et puis, c'est des gens qui ont bien réussi. Après, il y a un peu de travail au démarrage en biologie, mais ils ont l'esprit scientifique. Ouais. Finalement, peut-être que c'est la biologie qui est le moins important, parce qu'en fait, les maths et la physique-chimie, ça permet d'expliquer beaucoup de choses en biologie. Ouais. La biologie, vous l'apprendrez. C'est pas de la SVT du tout qu'on fait chez nous. C'est pas rédhibitoire de ne pas avoir fait l'option biologie. Voilà. C'est pas rédhibitoire. C'est pas sympa pour les collègues de SVT, mais... Non, mais c'est... Voilà. Non, mais, bon. Mais vous enseignez la bio, on sait faire. Ouais. Vous pourrez apprendre les maths, etc. Si vous ne savez pas faire une régression, c'est compliqué, quoi. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une courbe, une équation, vous allez souffrir. Alors que la biologie, vous pouvez l'apprendre n'importe quand. On nous demande si on aide à l'orientation, que ce soit pour le choix d'une licence pro ou autre. Oui. On essaye. Oui. Ben, en deuxième année, on fait toujours d'abord une présentation des différentes possibilités de poursuite d'études. Et cette présentation est faite avant les vacances de la Toussaint, donc en début de deuxième année, pour que les élèves aient le temps de se projeter, d'imaginer un peu leur choix. Donc après ça, ils partent en stage. Et là, actuellement, les deuxième années sont en train de nous faire remplir les demandes de licence pro, les demandes de nous poser des questions. Ils sont en train de finaliser leurs demandes parce que les inscriptions se font généralement au mois de mars, avril, que ce soit en licence pro ou dans les universités. Oui, et puis régulièrement, on a des anciens élèves qui viennent nous voir, soit pour récupérer des blouses, soit pour, après la Toussaint, récupérer leur diplôme. Et généralement, ils viennent nous voir en TP, on rencontre les anciennes promotions et puis... on prend une petite demi-heure pour discuter, ils présentent leur parcours et ça permet de concrétiser un peu les propos. On a aussi des interventions extérieures, en particulier sur GFI, la licence de bioinformatique de Poitiers, où régulièrement on sollicite les gens pour faire une intervention, présenter la formation aux différents BTS du lycée, en particulier le nôtre. Ces derniers temps c'était en visio, mais voilà. Licence pro aussi qui viennent se présenter, voilà, on essaye de montrer à nos étudiants le panel de possibilités qu'ils ont derrière. Je n'ai plus de questions à vous proposer. N'hésitez pas si... On pose la question qui se pose tous et qui n'ont pas posé. Biohack, biotech ou ABN? C'est quoi Biohack. C'est quoi la différence? Comment on choisit entre les trois? La polyvalence, moi je dirais. Ouais. C'est notre... C'est notre force. Voilà, ce que je dis souvent, c'est que sur ces trois BTS, vous apprendrez les mêmes techniques. Mm-hmm. Vous ferez de la biochimie, vous ferez de la microbiologie, vous apprendrez les mêmes techniques, mais vous n'allez pas les appliquer de la même manière et aux mêmes choses. Donc en ABM, vous allez appliquer les dénombrements, les isolements, enfin tout ce que M. Frappré vous a expliqué l'autre jour, au médical. En biotech, vous allez l'appliquer sur de la recherche, sur la production de molécules, etc. En biohack, il porte très bien son nom, c'est bioanalyse et contrôle. Donc, à faire des analyses, des contrôles sur des produits issus du vivant. De l'industrie. Donc, c'est très vaste. Ça peut être l'air dans une salle blanche, ça peut être des surfaces, ça peut être de l'eau, et ça peut être un yaourt, du lait, du saumon fumé. On a des élèves qui font des stages sur le... Chez la Berry, ils reviennent, ils sont écœurés du foie gras et du saumon, ils n'en mangent plus jamais. Mais voilà, sur des chocolats, etc. Donc on va faire des contrôles. Ça, c'est la différence. Et puis, si vous vous rappelez de ce qu'on a présenté sur les devenir des étudiants, il y en a quand même qui vont, après leur BTS, partir dans des labos de recherche fondamentaux ou recherche appliquée industrielle. Il y en a d'autres qui vont partir dans les domaines de la santé. Pour l'instant, tous les diplômes sont reconnus dans toutes les branches de professionnels. Donc, les gens qui partent avec une idée peuvent, en cours de route, changer d'orientation et travailler dans des domaines qui, sur le papier, n'étaient pas conventionnés. Voilà. Bien. D'autres questions? Non, il n'y a rien. Bon, eh bien, vous remercie de votre attention, voilà, toute l'équipe. On n'en était pas tous là, on a quelques collègues qui ne pouvaient pas être là, puis d'autres qui étaient malades. Ouais. Pas Covid, mais voilà, qui étaient malades. Donc, mais tout le monde avait participé à la préparation de cette soirée, et donc on vous remercie. Merci à vous. Et vous pouvez toujours poser des questions par mail ou regarder à nouveau cette vidéo à tout moment. Et voilà. On vous attend. Et vous pouvez contacter M. Vezin si nécessaire. Voilà. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir.